Ça, c'est sympa comme interview, tu vois. C'est clair. C'est entre le repas de seigneur et l'interview. Mais grave, il y a une qualité de réception, là, on est top. Donc, c'était le but de... Je ne sais plus quoi dire, tu couperas ça au montage parce que c'est le... Ça fera partie du bêtisier, tu vois. Mais, tu vois. Salut à tous, c'est Tom de chaîne Kravaga Traveling. Aujourd'hui, je suis en train de manger une pizza avec mon nouvel ami Benjamin Giraudet. Aujourd'hui, on va parler de son fameux bouquin « Désarme la violence ». Magnifique intro. Déjà l'intro, c'est bon, c'est bouclé. C'est hyper qualitatif. C'est clair, c'est génial. J'adore. Tout est dit, tout est bon. J'adore. Bon, écoute, Benjamin, super content de pouvoir t'accueillir ici dans ce fameux restaurant dont je ne connais pas le nom d'ailleurs. On devait faire ça dans un parc et finalement on se l'est caillé un petit peu. Donc surtout quand on est venu sans son pull. C'est clair. Donc, et la fin grandissante, après 10 heures de Krav Maga, ça permet de se rappeler force. Alors, je viens de m'en foutre partout. Je comprends. Coupez les gars. Ah, même solo. Putain, bordel de merde, ça fera les bonus. Ça fera les bonus. Les années du direct. C'est donc de la vraie pizza, comme tout le monde peut voir. C'est clair. Les années du direct. Hop. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton bouquin? De quoi déjà, de quoi ça parle le fameux désarmer la violence? Parce que je te laisse parler, comme ça moi je mange pendant ce temps-là. De quoi ça parle ton fameux bouquin, désarmer la violence? Le but c'était d'écrire un livre sur la self-défense, non pas un manuel technique parce qu'il y en a déjà eu des dizaines, des très bons, où on n'avait pas forcément grand chose de plus à dire dessus. Ce qui moi m'intéressait, c'était travailler sur justement l'amont, l'avant, l'après, les émotions que ça dégage, remettre un peu l'humain, tu vois, au cœur de la situation. Et un peu moins ce côté dépersonnalisé des fois qu'on peut retrouver en club quand on apprend, tu vois, via des techniques et compagnie. D'accord. D'ailleurs, justement, là, tu parlais justement de technique, c'est pas un manuel technique, on verra tout à l'heure. Tu viens de quelle origine, on va dire martiale, c'est quoi ta pratique? Une orientation assez courte, mais c'est quoi ton cursus? Alors, moi, je viens principalement j'ai commencé la formation par du jiu-jitsu traditionnel, jiu-jitsu judo. D'accord, ok. Donc, parce qu'à l'époque, le brésilien n'était pas encore apparu. Ok. Ensuite, beaucoup de Krav Maga et aussi pas mal de prospection, c'est-à-dire de rencontres avec des experts, donc que ce soit Lee Morrison, les écoles combatives, que ce soit Richard Dimitri avec son Senchido, enfin entre guillemets, plus on côtoie de monde et plus on en apprend. Donc, c'était un petit peu comme toi, tu vois, pas mal de prospection et puis essayer d'aller voir un petit peu ce qui se faisait partout, quoi. Oui, complètement, c'est le but de pouvoir après s'élargir à l'esprit et puis pouvoir faire des rencontres. Pour la petite histoire, en fait, on s'est rencontrés de manière assez, assez simple. Hein. C'est que j'ai vu que, de par Guillaume Morel, donc co-auteur de Protégor, hein, je vous réfère encore une fois aux vidéos, d'ailleurs que je vais voir demain pour faire une autre vidéo sur un autre sujet, j'ai vu qu'un nouveau bouquin sur la self allait sortir. Je me suis dit, tiens, si j'appelle l'auteur, donc on s'est appelé comme ça, on a sympathisé, et maintenant on se retrouve en train de manger une pizza. pour faire l'interview du bouquin. Ok, d'accord. Bah, du coup, tu vois, c'est sympa parce qu'en fait, c'est un peu Guillaume Morel, un petit peu le fil rouge de tout ça, parce que c'est aussi le directeur de collection chez Solar. C'est lui, en fait, qui m'a appelé pour me proposer ce projet, tu vois, un petit peu fou, quoi. Au sens où j'avais jamais prévu d'écrire un livre sur quoi que ce soit, d'ailleurs. Donc, d'accord. Et voilà, puis c'est lui qui, via aussi son partage d'expérience, et puis un peu ses visions de la chose, qui a permis de rendre ce projet, au final, réalisé, quoi. D'accord, super. Parce que à l'origine, t'avais pas prévu c'était pas un truc que tu voulais faire dans ta vie de dire un jour j'écrirai un bouquin, parce que c'est un truc quand même, c'est une question de transmission. Moi, c'est un truc que j'adorerais faire. Tu laisses à la postérité, tu sais, un bouquin, un truc, un peu comme je fais un truc avec une vidéo à petite échelle. Tu poses tes idées, tu laisses quelque chose sur le net, sur un bouquin, c'est encore le cran. Pour moi, c'est vraiment le truc. Au niveau de l'ego, je t'avoue que quand ils m'ont appelé pour me le proposer, c'était comme si je l'avais déjà écrit, tu vois. Et puis après, je me suis dit, bon, va falloir le faire. Et je t'avoue que j'ai eu cette même phase de doute, tu vois, je me sentais pas, je me dis,
une différence entre voilà, en parler ouais. et puis maintenant remplir un livre. Voilà, est-ce que j'ai suffisamment à dire dessus? Quel est le message que je veux finalement tu vois, délivrer ouais. Puis comme je te disais, voilà, des manuels techniques, il y en a eu des dizaines et des très bons, et moi je ne me sentais pas légitime pour dire bah, voilà, j'ai entre guillemets mieux à vous proposer que ce qui a déjà été fait. Donc ce qui m'intéressait, c'était d'aller sur vraiment quelque chose qui moi me touchait, qui était plutôt voilà, comme je disais, remettre l'humain, parler d'émotions, parler de peur, et écrire un livre qui soit destiné à tous. C'était d'accord. un peu vraiment le gros pitch du bouquin, c'était okay. que ça puisse s'adresser aussi bien à des personnes qui ont pratiqué des arts martiaux, qui ouais. veulent enrichir leur culture, que des néophytes, des personnes qui sont juste effectivement curieux de un petit peu ce milieu pour apporter quelque chose à leur vie, que ce soit des femmes, des hommes, que ce soit aussi bien des vieux, des ados, un petit peu que tout le monde puisse un peu se retrouver là-dedans, quoi. D'accord. Donc, fallait que ça touche moi je voulais que ça touche le plus grand monde. Parce que c'est vrai que, parce qu'on en parlait tout à l'heure, quand on voyait un petit peu le bouquin, on en revient tout à l'heure, on montrera un peu, mais c'est vrai que ce bouquin-là, au final, moi, quand je l'ai lu, tu m'avais parlé que tu viens un peu du Krav Maga, etc. En partie, mais ce que je veux dire, c'est que quand on lit ce bouquin-là, on se dit pas, tiens, ah, ça, c'est une vision Krav Maga, ou ça, c'est une vision boxe de rue, ou pêche axillate, peu importe le domaine, je veux dire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, tu m'as demandé d'où je venais, donc ça c'est un petit peu mes ouais, origines. Mais voilà, ça fait 10 ans que je me suis un peu détaché de tout ça pour m'axer vraiment sur la self-défense. Donc sur quelque chose de beaucoup plus large. Ouais, bien sûr. Voilà, donc c'est pas une appellation Krav Maga, je m'occupe dans le sens où effectivement ça me permet du coup bah, de mettre plein de choses que je retrouve, que j'ai retrouvées, que j'ai apprises, et puis d'avoir une vision plus large des arts martiaux sans forcément dénaturer une pratique X ou Y. Que j'ai un grand respect pour les pratiquants et je ne ouais. vois pas voilà, dire voilà, ça c'est du Krav ou ça c'est du Jiu-Jitsu et puis tu leur balances un truc qui où tu as vu les techniques de X ou Y à gauche à droite. Ouais, tu fais une compilation. Voilà, donc je pense qu'à un moment voilà, il faut respecter le travail de chacun, c'est pas le but. Et puis surtout la self-défense, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est-à-dire que, tu vois, on en parlait tout à l'heure, effectivement, on a l'habitude de traiter la partie physique, mais il y a toute une partie qui va graviter autour. Si je peux te donner un exemple, j'ai envie de te dire, voilà, demain tu prends une assurance pour ta voiture, oui. c'est de la self-défense. Tu mets des fonctions de sécurité. C'est de la self. Donc la plupart du temps, la self-défense, c'est du bon sens. On va ouais. pas réinventer la poudre, d'ailleurs, tu vois, dedans, il n'y a rien qui n'a été inventé. C'est de la compilation de données, c'est le fruit d'une expérience, mais c'est pas une innovation. Oui, c'est vrai que tu en parlais dans le bouquin, là, tu en parles, la fameuse vigilance en fait. Hein. Ta première arme, j'ai fait une vidéo là-dessus, je la mettrai en commentaire, mais toujours pareil, ta vigilance, c'est ce que tu expliques dans ton bouquin aussi. C'est ton bouquin, on va voir après comment il est construit, mais c'était une partie entière sur tout ce qui est vigilance, les codes de vigilance, comment quoi ça influe ou non ton environnement. Et c'est vrai que là, ici, on est tranquille, il n'y a personne autour, là, on peut se permettre de faire une vidéo, etc. Chose qu'on peut moins se permettre de faire, par exemple, je dis une bêtise, mais dans un métro, ouais. dans un métro à 3h du matin, on en parlait tout à l'heure, c'est toujours pareil. Et ça, c'est vrai que, je pense que comme tu dis, c'est des concepts qui conviennent, comme tu dis, du Krav Maga ou peu importe, je trouve qu'on arrive toujours à retrouver dans ce livre. Des concepts qui parlent à chaque fois. On peut en parler d'ailleurs dès maintenant en fait. Hein, ton bouquin, si je ne me trompe pas, il est articulé en deux grandes parties, c'est ça? Oui, alors il y a beaucoup de chapitres dessus, mais effectivement, on va dire que les deux grandes parties, si on devait schématiser, c'est la première, une compilation de données. Le but, c'est de comprendre vraiment les choses. Donc, ouais. On va parler des prédateurs, on va parler qu'est-ce qu'un agresseur, on va décortiquer ouais. vraiment un peu les choses. Et sur la deuxième partie, on va plus parler de soi-même et de qu'est-ce qu'on ressent, comment on vit les choses comment on peut s'approprier toutes ces informations. Donc la première partie, voilà, c'est vraiment de la donnée un peu plutôt brute. Et sur la deuxième, c'est voilà, comment les approprier, comment enrichir sa vigilance par exemple. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qui est intéressant tu vois, de déceler. Parce qu'effectivement, il existe plein de systèmes, mais c'est personne ne peut vivre en alerte maximale permanente. Non, tu peux pas. C'est trop fatigant. C'est ingérable. Même tu prends pas de. Ouais, il y a plaisir. À un moment, la vie est courte. Il va falloir en profiter. Tu prends pas de plaisir. C'était là à chaque fois.
Tu viens super parano. Ah, c'est comme un peu, tu vois, si tu traversais un musée et toujours en regardant que le bout de tes pieds parce que t'as peur de tomber. Tu vois, ouais. À un moment, tu profites pas non plus de ce qu'il y a autour. Oui, c'est sûr. Tu peux pas vivre voilà, dans cette alerte rouge qui serait effectivement hyper sécurisante pour tous, mais dans ta vie de tous les jours, bon, c'est pas l'éclate quoi. Donc, et puis je voulais vraiment que ça s'accorde à, comme je dis, à tout le monde. Et ça, c'était important pour moi. Donc, qu'effectivement, que tu sois, que tu vives, que tu sois étudiant, par exemple, comment tu veux rencontrer du monde, tu veux sortir, parce que tu veux un peu profiter de ta vie. Tu veux pas non plus, tu vas la jouer hyper sécure tout le temps. Mais comment du coup tu peux prendre des éléments du livre pour enrichir, tu vois. Donc c'était le but de, je ne sais plus quoi dire, tu couperas ça au montage parce que c'est le... Ça fera partie du bêtisier, tu vois. Mais, tu vois. 36e. Tu sais quand tu te déballonnes en vol. C'est bien parti, puis bon, c'est pris les pieds. Je viens me boucher, puis... J'en profite du coup. Ouais, pareil, toi. Alors si je reprends le sommaire, là... Je peux vous lire les grandes parties. Hein. Première chose, c'est connaissez votre sujet. Donc déjà, qu'est-ce que la self-défense ? Donc ça, c'est vraiment le concept. Hein. Qu'est-ce que la violence également ? Et deuxième, connaissez votre adversaire. Donc là, tu découvres vraiment, tu fais des grandes différences entre le fameux agresseur, prédateur. Encore une fois, je renvoie aux vidéos que j'avais faites là-dessus. On retrouve les grands concepts en fait hein, de comprendre. Troisième partie, connaissez-vous vous-même ? Avec les grandes réponses, on va dire stéréotypées, le combat, la fuite, l'inhibition. Qu'est-ce que vous allez ressentir et ouais. Comment votre corps va finalement aussi prendre un peu le lead des fois et pas forcément dans les bonnes solutions. Ouais. Mais ça, c'est les choses qu'on a tous. Ouais. Donc il va falloir traiter avec parce que c'est des problèmes qui se déclenchent au matin automatiquement. Oui, donc comprendre pour mieux savoir quoi faire. Quoi. Bah, puis gérer la peur. Parce ouais. que c'est un petit peu le sujet qui est un petit peu tabou, tu vois, surtout dans les arts martiaux, les sports de combat, tu vois, on loue le courage et on désavoue un peu la peur. Et puis en vrai, c'est que tout le monde a peur. Et ouais. tu peux être un super bon pratiquant, tu peux être même un instructeur, tu vas avoir des ceintures noires à tire-larigot. Et puis demain, tu es au volant de ta voiture, on te klaxonne. Et la vérité, c'est que le mec t'insulte, te menace de tous les noms. T'as un peu la boule au ventre, t'as les papillons, tu vois ce que. Ouais. Et ça, on le vit tous. Donc, même si on s'en vante pas, tu vois. Qu'est-ce que la journée. C'est voilà, surtout. Et puis, c'est toujours, quand on te raconte des histoires, c'est toujours, bon, bah, le mec, il a fait ci, j'ai fait ça. C'est toujours un petit côté un peu glorieux quand tu racontes une histoire. Ouais. On raconte rarement nos histoires de, bon, le mec m'a klaxonné, je t'avoue, j'étais liquide. J'étais pas bien. Et pourtant, on le ressent tous. Donc, c'était aussi dire, voilà, ça, c'est un phénomène, on a tous peur. Voilà, du plus grand baraqué à n'importe quelle femme, étudiant, n'importe qui. Et ça fait partie du cursus. Gérer ses émotions, en fait, en self, on n'en parle pas assez, je trouve. Tu vois, parce qu'au final, une agression, qu'elle soit conjugale, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, ça reste des humains. Ça reste quelque chose d'humain et surtout des émotions qui s'affrontent. Tu vas affronter pas des fois la haine de l'autre, la colère de l'autre. Ouais. Tu vas devoir lui rétorquer avec ta peur, ta tristesse, ton appréhension. Tu vois ce que je veux dire et au final, ça fait partie du package, quoi. Oui, c'est pas que un échange de coups comme on a entre guillemets au dojo. C'est une partie qu'on doit, qu'on doit aussi gérer, quoi. En fait, c'est ça. Et c'est vrai que dans les cours de self, on n'en parle pas forcément parce que bon, déjà, je pense que les gens sont pas là pour. Ils sont là pour pratiquer notamment souvent une liste eux-mêmes. Hein. Je pratique là pour un sport, pour me défouler. Oui, pour passer un bon moment, tu vois, la semaine, pour me décompresser de ma semaine. Voilà. Et t'as pas forcément envie de lui parler de ses traumas, tu vois, qu'il a vécu, de cette enfance peut-être un peu compliquée, tu vois, mais qui risquerait d'être un frein s'il devait un jour passer dans une phase un peu plus dynamique, quoi. Et puis, tu vas avoir aussi tous les problèmes moraux, tu vois, dont on parle pas, quoi. C'est-à-dire que depuis que... Les verrous. Bah ouais, les verrous moraux, quand t'es petit, on t'apprend par exemple à pas te faire avec ton frère. Voilà, si ton frère t'agresse ou ta sœur, tu viens le dire à tes parents, mais tu ne fous pas sur la gueule. Ensuite, quand tu vas à l'école, on dit que tu te bats pas, tu vas voir la maîtresse et paradoxalement, tes parents disent « Mais si tu te fais agresser, t'as le droit de te défendre. » Donc déjà, tu vois que l'enfant, il est un peu en porte-à-faux. « J'y vais, j'y vais pas, tu vois. » Et puis après, on te dit, voilà, si t'as un problème, t'appelles la police, ils interviennent, tu vois. Et cette délégation d'autorité fait que le jour où toi, tu dois reprendre un petit peu le contrôle sur ta propre sécurité, bah, finalement, tu te rends compte que toute ta vie, t'as eu l'habitude que d'autres, de solliciter l'aide d'autres personnes. Ouais. Puis quand tu te rends compte que ces personnes ne viendront jamais le jour où ça t'arrive,
psychologiquement, après, en fait. Bien sûr, ou après, mais psychologiquement, sur le moment, enfin, toi, tu gères tout seul, c'est difficile, parce que tu n'as pas les repères. Ouais. On en revient au fameux débat que, qu'on a eu avec pas mal de personnes. Hein. À mon sens, toujours pareil, hein. Il faudrait que chaque personne puisse apprendre des jeunes à avoir les compétences. Alors, je sais qu'en secourisme, maintenant, ça se développe pas mal. Ouais. Moi, à l'époque, tu sais, quand j'étais à l'école, c'était en secourisme au collège, je crois qu'on a... On pouvait passer, si on le souhaitait, on était quoi, 10 à peine par lycée, quoi. À l'époque, c'était la FPS, c'était l'ancêtre du PSC, hein, tu vois, du secourisme. Maintenant, apparemment, ça devient, semblerait, ça devient obligatoire à chaque fois que tout le monde est formé. Mais pour moi, la self-défense, aussi bien que le secourisme, que plein de petites choses devraient être enseignées, entre guillemets, à l'école, dès le départ, c'est au moins de, même la self-défense, comme tu dis, pas forcément que physique, en fait. Non, parce que si tu prends le secourisme, la plupart du temps, les symptômes sont physiques, donc sont visibles. Ouais. On t'apprend à regarder, on t'apprend à questionner, tu vois, et après à adapter les postures les plus sécures. Le problème avec de la violence, c'est que c'est plus pernicieux. S'il y avait des techniques universelles, ouais. Ça ferait longtemps déjà qu'on les aurait apprises à tout le monde, ouais. Gratuitement, et c'est cadeau. Et d'ailleurs, on commence le livre comme ça et en disant que les gens, du coup, la plupart des personnes mal intentionnées auraient déjà trouvé une solution. Pour détourner oui. Le truc. Oui, oui. Ce qui fait que la violence est efficace et c'est le schéma autour en fait. C'est pas forcément le coup de poing, mais c'est comment la personne va t'amener oui. Au pouvoir à un moment ou quel est le scénario qui s'est passé avant, donc l'intimidation, les choses comme ça, oui, et fait que ce coup de poing va fonctionner, tu vois. Si le mec, j'ai un prof qui disait ça, il me disait, Alexandre Orozco, si tu vois la vidéo, je crois qu'il y a, je sais plus exactement comment il disait ça, mais il disait si. Je suis sur une rive, il y a un fleuve qui passe, il y a ma clé sur l'autre rive, je peux l'accepter le fils de pute, je m'en branle, il est sur l'autre rive. Il m'attrape en bas. Maintenant, face à face. Voilà, face à face, c'est autre chose. On passe au monsieur, tu vois. Voilà, c'est clair. Mais c'est, oui, en effet, comme tu dis, oui, toujours pareil, quand t'es, on reprend les courses de la SEP, si t'es à distance et que le mec peut pas te toucher, bah, il te mettra jamais un coup de poing, quoi. Il faut déjà qu'il rentre dans ta distance, que t'aies les bras baissés, que. Pour qu'il puisse. Et si. Voilà. Et le but, c'est de, si tu as le schématiser, ça reste voilà, la distance, c'est ton meilleur ami. Le but, c'est toujours remettre un maximum de distance. Vigilance, entre toi et ta distance. Et surtout, ton plus grand ennemi, dans ce cas-là, c'est le temps. Parce que plus le temps passe, et plus les situations généralement empirent. Donc, plus une situation peut. Exactement, tu vois, ce côté entonnoir. Et pour intervenir, il faut déjà que tu comprennes dans quelle situation t'es. Si tu sais pas quel film se joue, ça va être compliqué d'avoir le bon rôle. Ouais. Et ensuite, que ça ne s'attarde pas trop. Parce qu'en matière de prédation, par exemple, tu vois, les prédateurs ont besoin de peu de choses pour fixer ce piège qui se referme. Ouais. Et du coup, plus ça va empirer, et on parle du fameux changement de lieu, tu vois, ça oui. Va... Et hop, on vient... Je te ramène chez toi, le fameux j'ai des bonbons dans ma voiture. Ouais, ou bien on va discuter à côté, il y a trop de bruit là parce que tes potes ils discutent et je vais t'isoler de ton groupe d'amis, tu vois. Pour. Ouais. Et donc sur les très très bons prédateurs, d'ailleurs, c'est un petit peu la seule chose qu'on arrive à identifier chez eux, c'est le déplacement. Ouais. Parce qu'ils sont tellement. On parle toujours des prédateurs quand on travaille, tu sais, un peu ce genre de monstre un peu impersonnel. Ils sont souvent séducteurs en fait. Ils sont souvent séducteurs et. Et dans les agressions sexuelles, tu prends, on est à 80-90% de personnes que tu connais. Ouais. Donc, et pourquoi est-ce que les gens s'en prennent aussi à des gens qu'ils connaissent? Parce que du coup, ils ont le sentiment d'être plus en confiance, ils maîtrisent plus la zone, ils maîtrisent plus le contexte, maîtrisent plus la victime. Et du coup, si tu passes toute ta vie à travailler, à imaginer que ton agresseur c'est quelqu'un qui est... Un mec qui a goulé de nuit, exactement, tu vois, avec matin, des grandes oreilles, machin, et puis le jour où tu te rends compte que c'est un peu ton oncle qui a trop bu, ou ton ex qui a un petit peu, tu vois, un comportement plus qui comprend pas que le mot non, c'est une phrase en soi, ou ton pote qui est le pote de ton pote qui a bu. Oui, qui vient d'arriver, qui connaît pas trop. Ouais. Qui était hyper sympathique il y a une demi-heure. Une demi-heure, et puis. Et puis là, après 4 shots, qui est quand même beaucoup moins sympathique, quoi. Ouais. Et plus sympathique avec ta copine qu'avec toi. C'est ça. C'est toujours difficile d'agir violemment contre quelqu'un puisque tu connais. Oui. C'est pas la même chose. T'as un verrou, entre guillemets, émotionnel. Empathique. Empathique, ouais. Tu te dis, je vais pas le cogner, je le connais. Enfin, je le connais quand même. Il y a une demi-heure, il était sympa. Et ouais, c'est alors que lui, au final, ce verrou-là, il l'a peut-être moins. C'est ça, puis il y a ton pote, et puis il y a l'entourage, il y a tes amis qui vont dire non, mais c'est bon, t'inquiète, je le connais, il est relou. Et puis pareil, il y a la vigilance, il y a l'intuition, on en parle aussi. Hmm. Des fois, tu sais, quand tu le sens pas, il y a des éléments dedans, tu vois, et savoir s'y fier, c'est pas forcément facile, quoi. Le fameux, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi. Un peu pas ça, ouais. Paturé le disait. Ouais, c'est un peu ça. T'en parles d'ailleurs, j'en parle dedans, parce que c'est vrai qu'en plus, Alors l'intuition, il faut, pareil, il y a des choses à démasquer, il y a des trucs qui sont de l'ordre de l'intuition, d'autres qui sont de l'ordre de la paranoïa.
Oui, voilà. Et le problème de l'intuition, voilà. C'est que tu en tires rarement des bénéfices. C'est-à-dire que si tu as une intuition, que si tu prends cette relève à travers quelque chose, donc tu passes ta rue, tu ne sauras jamais. Oui. Si tu as bien fait ou pas bien fait, tu vois. Et c'est un peu tout le paradoxe du truc. Donc tu dis non, ça va, c'est quand même le chemin le plus court, allez, vas-y, on passe. Ça m'était arrivé ça, j'en ai parlé, je crois. Au McDo, tu sais. Une fois que j'étais au McDo. Attention. Le mec qui bouffe une pizza, non, je vais au McDo, mais pizza, oui, d'accord. Et un type, ça m'est arrivé même au cinéma aussi, ça m'est arrivé comme ça, pareil, un type qui rentre avec un sac de sport, tu sais, qui s'arrête. Il arrive quasiment au milieu du film. Pose son sac de sport et il se met quasiment au premier rang. Tu te dis déjà qu'est-ce qu'il fout avec un sac de sport au cinéma. Et puis un mec arrive au milieu de séance, c'est bizarre, sauf qu'il n'est pas à l'autre côté. Ouais. Bon, bah ouais, pourquoi pas. Pire pas, tu dis il a essayé son sac ou pas. Non, il est reparti. Et puis il revient. Il est genre à 4 plus tard, quoi. Bah, sur le moment, t'es pas tranquille, quoi. Alors à l'époque, je faisais pas de self, tu vois. Et je suis resté dans la salle, tu vois. Il s'est rien passé. Mais. Maintenant, sachant ce que c'est, peut-être que je serais parti. Mm-hmm. Ce qui m'est arrivé au McDo, le mec, pareil, un mec avec un sac de sport à moitié louche, qui isiotait, machin, il allait et venait. Et ben, j'ai dit à mes potes, écoutez, on était deux, j'ai dit ouais, on va ailleurs, quoi. Ouais. Le McDo n'a pas explosé 5 minutes plus tard, c'est pas comme un film, quoi, tu vois. Mais. À ce moment, ça t'a interpellé. Ouais, il y a l'amygdale limbique qui a fait tiens, ça c'est pas normal, ça. Ouais. Là, il y a un truc. Et c'est toujours difficile, tu sais. En plus, maintenant, on a des époques où on est toujours pressé, on a la bourre, tu vois. Ouais. T'as les enfants à aller chercher le soir, t'es sorti. Et tu passes, tu vois, sur le quai de la gare, tu dois prendre ton train. Il y a trois gars, tu les sens pas. Et savoir aussi changer ses plans, c'est pas évident. Dire, tu sais quoi, je vais prendre le suivant. Bah oui, mais il faut que je sois à l'heure. Quoi. Mais ton cerveau te dit, écoute, t'as la garderie, t'as le truc. Non, faut que t'y ailles, viens. Puis franchement, relou de partir un quart d'heure après. Et tu vois, potentiellement, tu peux te mettre dans une situation. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, les premiers, le chapitre affronté, c'est le tout dernier. Oui. Il y a quatre grands stades avant. Et en fait, de faire comprendre que le dernier affronté, c'est celui sur lequel tu auras potentiellement le plus de conséquences. Qu'elles soient physiques, tu pourras avoir mal, tu pourras souffrir. Sur le premier, tu vois, par exemple, qui est éviter les lieux, c'est le mieux. Et plus tu vas monter en fait dans les grades, moins ta réussite déjà est garantie. Ouais. On le sait tous, tu vois, quand tu as pratiqué des arts martiaux, des sports de combat, des fois tu penses que ça va être une balade de santé et puis tu comprends pas pourquoi la situation tombe pas du tout en ton avantage, quoi. Donc c'est aussi voilà, de faire prendre conscience aux gens que la violence elle existe, mais que la violence aussi a des conséquences. Il y a un avant et il y a un après et il n'y a jamais rien de garanti. Ouais. Donc, dessus. Oui, surtout une période maintenant où beaucoup en parlent, hein, où les agresseurs maintenant portent plainte quand ils se font corriger. Quoi. Bien sûr. Et inversement, regarde le fait quand tu désamorces le conflit. Tout le monde te dit désamorcer, c'est le top, et ce qui est vrai. Oui. Mais à côté de ça, quand tu le fais, il y a toujours un goût d'amertume dans la bouche après. De l'ego. Ouais. Tu vois. Et ça aussi, c'est un truc y a un truc à gérer. Il y a un après même au niveau pas de ton ego. Ça. Non, parce que même si tu sais que consciemment tu as pris la meilleure décision, tu as un petit peu, tu vois, moi j'appelle ça la danse de l'ascendance ou ton héros intérieur, ouais. Tu vois, cette petite voix, tu vois, qui n'est pas forcément de bons conseils, qui veut dire on aurait pu y aller faire la bagarre, ça aurait été top, bien, on aurait gagné, tout ça, ça aurait été ouf. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas vrai, parce que généralement il n'est pas de très bons conseils. Et du coup, c'est après, au niveau de l'ego, tu le vis mal, tu vois, un peu comme un truc un peu humiliant, comme. J'aurais dû y aller, quoi, tu vois. Et c'est vrai, voilà, savoir connaître les choses, comprendre la situation, ça permet d'intellectualiser, des fois, de prendre plus facilement de meilleures décisions. Ouais. Tu vois, de ne pas écouter ce héros intérieur. Ouais, le héros intérieur qu'on pense être, au final. C'est comme tu vois John Wick la veille, on en parlait, tu vois John Wick la veille, tu te sens invincible le soir, tu te dis, mais moi, si jamais ça m'arrivait, mais moi, avec un flingue, je ferais alors que tu n'as jamais touché un flingue de ta vie. C'est ça. Ouais, on pense toujours, mais il est con celui-là, mec. C'est le film noir, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est conne celle-là? Alors qu'en fait, tu ferais pareil. Mais exactement, et puis même, tu te dis, écoute, la dernière fois que t'as couru, bon, c'était quand même il y a. C'est au cross de collège. Au cross de collège, voilà, et tu vois le bon Kenny Reeves, lui, il s'est entraîné comme des années de trucs, il tient pendant 3 minutes. Toi ou moi, tu vois, tu te dis, écoute, là, je le sens pas là. Moi, j'ai mangé là. J'ai mangé pizza. Moi, je suis en jean, ouais, je suis bien, tu vois. Oui, ouais, rien que ça. Mais c'est vrai que moi, ça m'était. Bah, j'ai voulu faire une vidéo là-dessus, finalement, c'est pour peut-être plus tard, mais sur l'altercation dans le bar. Bon, pour vous résumer ça, parce que je fais une vidéo avec ça un jour, mais. Un type dans un bar qui était. Comment dire. Qui était sûrement un peu trop éméché. Mon frère part aux toilettes,
Et donc mon regard se perd un petit peu au niveau de la zone des toilettes, enfin je regarde un peu dans le vide, et il y avait ce fameux type qui était près de la porte des toilettes, et le type pense que je le regarde, tu sais, bon. D'habitude je regarde personne fixement, mais là mon regard était vraiment dans la montagne lointaine, tu sais, comme... Et au final, le type pense que je lui manque de respect, mais je vous en rester à son match. Et le type commence à se lever, ouais, qu'est-ce que tu regardes, machin. Moi je me retourne pour ceux qui parlent à quelqu'un d'autre, je pas concerné du tout en fait. Hein. Et le type, ça commence à monter, machin, pas content, etc. Et au final, j'ai désamorcé le truc, ça m'intéressait pas, j'ai désamorcé le truc, j'ai dit, écoute, moi je passe une bonne soirée, à la tienne, bref. Passe les détails, il a voulu se rapprocher, je les garde à distance, etc. Et au final, ça s'est très bien passé, il s'est excusé après, j'ai vu son meilleur copain du bar et puis il est parti. Mais c'est vrai que maintenant, sachant ce que je sais, entre guillemets, j'ai lu les bouquins, j'en ai parlé pas mal avec Olivier Maillot qui a écrit des bouquins sur la gestion de la violence, etc. Et sur les conflits, et c'est vrai que j'étais content, je me suis dit, en fait, je l'ai bien entubé le type, entre guillemets, dans le sens, tu sais, j'ai désamorcé le truc, donc en fait, mon héros intérieur me disait, ah, t'as appliqué les trucs du bouquin, c'est bien. Et donc, c'est une vision favorable. Par contre, d'autres personnes qui. Ouais, mais tu fais des armes sous, t'aurais pu le défoncer, t'aurais pu machin. Alors que les mecs, ils te connaissent pas, tu sais. C'est quoi le gain? Et je dis, mais c'est quoi l'intérêt? Le mec, je le connais pas, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et puis, défoncer, j'en sais rien. Et puis, même, j'ai pas envie d'embêter les mecs du bar, j'ai pas envie de passer une mauvaise soirée, j'ai pas envie, comme tu dis, de partir regarder pour des conneries, et j'ai pas envie de gâcher ma bière. Enfin, mais c'est un tout, quoi. Et c'est vrai que. Quand tu l'intellectualises, mais que tu sais que t'as bien fait, donc ça t'arrive, t'y arrives. Mais je pense à des mecs un peu fougueux qui n'ont pas ce retour, entre guillemets. Pour eux, en effet, t'as raison, c'est un truc, j'aurais peut-être dû aller me battre, j'aurais peut-être dû aller, tu vois. Si tu prends par exemple, si t'avais été plus jeune, par exemple, t'as 15-18 ans, t'as envie de prouver un peu ta valeur aux autres. Voilà, et puis la violence sociale, en fait, c'est ça, principalement, c'est gagner des échelons. Oui, tu vois, pour prouver aux autres que t'es un peu le mâle alpha ou la femme alpha, tu vois, de l'équipe. Et du coup, tu te dis, bah écoute, je vais y aller pour prouver. Déjà, enfin, il y a des trucs très simples. Si tu dis que tu veux y aller pour prouver quelque chose à quelqu'un ou pour gagner, généralement, c'est que ça vaut pas le coup d'y aller. Ouais. Donc, tu peux remballer. Troisièmement, ce qui te permet, tu vois, tu as raison, pour l'après, ce qui t'a permis aussi de bien vivre et pas de te dire, merde, j'étais lâche, ou tes potes qui disent, ouais, t'aurais dû y aller, ou défendre mon pseudo-honneur, machin, compagnie, c'est du moment où ça devient une stratégie de ta part. Ouais. Ton ego du coup n'est plus dans une position de culpabilité, disant on n'est pas été au top, en disant on a été plus malin. Et c'est un petit peu, tu vois, ce qu'on traite sur toute la phase, tu vois, de désamorcer, c'est de dire qu'à un moment, on n'est pas obligé de subir les choses, on peut en faire une stratégie et retourner la chose. Mais pour ça, il faut savoir mettre son ego de côté. Et puis voilà, à un moment, se dire écoute, je m'excuse. Là, dire en mangeant une pizza, tu vois, ça paraît vachement simple. Sur le moment, des fois, c'est compliqué. Tu as envie de jouer la mauvaise foi ou de jouer un peu la forte tête parce qu'on se sent pas exactement en tort ou on a envie un peu de faire chier le monde ou de faire le malin. Et au final, tu te retrouves des fois dans des rubriques de faits divers où l'autre part, revient avec un couteau, revient avec des potes et c'est l'escalade. Et c'est l'escalade véloce des fois. Le fameux à Paris, le mec a fait une queue de poisson, tu klaxonnes parce que t'es énervé, le type descend et sort l'extincteur à sa bagnole. Enfin, on m'a raconté ça récemment. Le mec a sorti son extincteur, il a voulu faire taper sur le congénère. Des conneries, quoi. Et puis voilà, et puis c'est de remettre un petit peu le truc en disant il y a des conséquences aussi, et c'est ce que tu t'es dit sur le moment, tu vois, j'ai pas envie de finir au poste, j'ai pas envie que les choses elles tournent mal, ou puis même tu vois, le frappes, il tombe la plupart en violence sociale. Il tombe par terre et lui il se pète le crâne. C'est ça, c'est un peu le film Million Dollar Baby, tu vois, où à la fin tu vois, elle tombe sur le banc, et il faut savoir que la plupart des accidents graves, voire des morts dans la violence sociale, c'est dû à la chute. Oui, le type tombe. Il tombe KO, il est totalement inanimé, la tête tombe mal, ou il y a un objet au sol et compagnie. Puis voilà, il n'y a pas d'excuse à ça, quoi. Tu peux pas dire le lendemain, non mais en fait, je voulais pas faire exprès. Ouais, ouais. Oui, et puis bon, je pense que, de toute façon, je pense qu'après, il y a cette vision aussi de. Toujours pareil, de quand t'arrives, je trouve que t'as, notamment en self-défense, t'as toujours les jeunes chiens fous, tu sais, les débutants. Mmh. Ils voient les coups à la gorge, ils voient les coups aux yeux, ils voient les coups partis, peu importe. Et ils sont là, au bout du premier cours, mais moi je ferais ça, et je ferais ça, et je ferais ça. Et ils n'ont qu'une envie, c'est, si on allait expérimenter sur un parking, tu sais. Enfin, tu vois, ils ont toujours cette vision, et je trouve que tous les gens que je rencontre à chaque fois, qui ont acquis une certaine sagesse, tu sais, alors je dis pas que je suis le grand père fourras, machin, c'est pas le but, l'idée n'est pas là, mais moi, je m'en rends compte, à force d'évoluer, plus tu apprends, plus tu te rends compte qu'au fait, t'as un grain de sable dans le désert.
et qu'au final, tu as toujours à apprendre plus, et au final, tu te dis, bah ouais, non, on va pas se battre pour une bêtise pareille, quoi. C'est ça. Il y a un moment, il faut savoir, j'en parlais aussi, jugé par 12, porté par 6, la vidéo là-dessus. Ah, la grande phrase. La grande phrase, ouais, moi je suis un guerrier, machin. Oui, mais bon, si c'est pour un mec qui t'a mal regardé, pour défendre ton honneur devant ta femme et que tu vas en zonzon et que ta femme elle reste seule pendant. Sachant que si tu demandes l'avis de ta femme, généralement elle va te répondre que ça n'apporte strictement rien pour elle, à ses yeux, que tu ailles faire le gorille, tu vois, ce truc. Eh bien, sûrement, tu vas te reprocher après. Et en plus, tu vas prendre cher en rentrant. Eh bien, tu vas te reprocher après. Et ça n'a pas de sens. Après, là, en plus, on est vraiment dans un cas vraiment de violence sociale. Ça, c'est, c'est une violence très masculine. C'est complètement. Tandis que tu prends le même gars, par exemple, mais il n'y a personne dans le bar, vous êtes que tous les deux. S'il n'y a pas de public, on n'est plus sur une violence sociale, on est sur une violence prédatrice. C'est ça. Et là, du coup, c'est plus la même chose. C'est ça, le contexte de la vidéo, c'est ça. C'est que dans ces moments-là, là, tu viens sur une sorte de violence, entre guillemets, utile. Ouais. C'est pas une question d'ego, c'est une question de survie, quoi. Sachant que dans un cas, c'est un peu une opportunité qui a créé, c'est une conjonction d'événements qui vous ont rencontrés, bonne ou mauvaise. Et dans un deuxième cas, c'est lui qui t'a choisi. Et là, effectivement, la réponse est totalement différente de la première. Ce qui désamorce l'un, généralement, influe, tu vois, de façon exponentielle sur l'autre, et inversement. Donc déjà, identifier les deux types de personnes fait que tu peux déjà choisir le bon comportement. Il n'y a pas de comportement universel. Tu vois, tu peux pas désamorcer un mec dans un bar bourré ou lui disant, écoute, je suis désolé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça marche. Le mec qui vient pour piquer son téléphone, tu dis, je suis désolé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, c'est bon, t'as bien compris, non, tu le donnes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça ne marche pas. Donc, au contraire, l'autre va sentir que son emprise se renferme, tu vois, de seconde en seconde. Donc, potentiellement, il peut aller de plus en plus haut. Je fais des goûts taxi. Si j'ai bien compris, monsieur, vous attendez le téléphone, vous souhaitez donc avoir mon téléphone. Voilà. Est-ce qu'il y a un mal-être chez vous qui fait que vous avez besoin d'un téléphone, vous voulez en parler, quoi. Est-ce que justement, tu peux. Là, nous, on rigole là-dessus, hein, parce que bon, après, c'est. Alors, j'allais dire, si vous voulez comprendre mieux les principes, n'hésitez pas à lire le bouquin, mais est-ce que tu peux détailler, grosso modo, avec un exemple, ce qu'est une violence, alors même si c'est écrit aussi détaillé dans mes vidéos, mais ce qu'est une violence sociale et une violence prédatrice, juste deux petits exemples pour que ceux qui voient la vidéo puissent comprendre un peu le contexte. Alors, si tu prends une violence sociale, donc déjà, comme son nom l'indique, c'est une violence qui est faite d'un public. Ouais. Donc ça va être un petit peu, ça peut être, c'est pas forcément de grand méchant, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. À un moment ou l'autre, on a vécu une mauvaise journée, t'as l'alignement de trucs, ou t'as bu, t'es fatigué, tes trucs. Et à un moment, il y a quelque chose qui est l'ordre du grief. C'est-à-dire que potentiellement, moi, je vais trouver quelque chose à te redire. Tu vois, en disant, bah, t'as regardé, on va prendre les clichés, tu vois, le t'as regardé dans ma direction, t'as renversé mon verre et compagnie. Et ce qui va être, donc, ce grief-là, en fait, ça va devenir tout mon univers. Donc, je vais venir te voir en disant, écoute, voilà le souci. Et c'est tout le problème d'ailleurs à gérer lors du. La désescalade, c'est qu'il va falloir en même temps et gérer physiquement l'autre qui va avoir une attitude potentiellement menaçante. Ouais. Mais ça va être et gérer aussi ses propos parce qu'il faut identifier le grief pour pouvoir le désamorcer. Ouais. C'est un petit peu, tu vois, le fil rouge à couper, tu vois, le Jack Bauer du truc. et à côté de ça, surveiller suffisamment pour pas que ça se transforme non plus, tu vois, en prédation. Oui, et potentiellement, lui, on peut le désescalader. Donc déjà, un premier truc, s'il y a du monde, on va être sur une désescalade. On peut être sur une violence sociale. Sur une prédation, déjà, le but n'est plus le même parce que c'est soit une prédation, c'est soit matériel, il veut quelque chose, soit il va vouloir ce qu'on appelle les prédations sadiques, entre guillemets, s'il n'y a pas de produit, c'est toi le produit. Et dans ces cas-là, le monde va être fui parce que la personne, elle ne veut pas être prise, elle ne veut pas non plus, tu vas te déranger, elle veut obtenir ce qu'elle veut, donc elle va fuir le monde. Donc potentiellement, on va avoir ce qu'on appelait, on en discutait, un changement de lieu. Tu vois, on va chercher à t'isoler de ton groupe, on va dire, bah tiens, tu sais quoi, on va aller là-bas. Donc, on n'est plus du tout. Donc, déjà, par exemple, une violence sociale, ça fait du bruit. C'est, le but, c'est d'impressionner les gens. Une violence prédatrice, ça fait pas de bruit. C'est les ch'tis à machin, je sais pas quoi. J'ai pris ça comme exemple dans ma vidéo sur les violences sociales. C'est les ch'tis, je sais pas quoi, qui hurlent. Bah, c'est ça, tu comprends, c'est que rien. C'est hyper visuel parce que le but dans une violence sociale, c'est d'impressionner aussi les gens qui sont autour de toi pour montrer que c'est un peu toi l'alpha du truc. Ouais. Une violence prédatrice, le but, c'est pas que les autres s'en mêlent ni que les forces de l'ordre s'en mêlent ou que tu sois dérangé. Donc, déjà, beaucoup de bruit, violence sociale, peu de bruit, violence prédatrice. Donc. Ok. Ça va, ça répond à. Vas-y, tu sais quoi, on coupe la troisième. Parfait, parfait, ouais. Je regarde un petit peu là, on avait cité. Donc ouais, connaissez-vous vous-même. Après, on a fameux les. Une fois qu'on a compris le contexte des violences, qu'on a compris un peu le contexte de l'agresseur, on arrive sur se connaître soi-même également.
connaissez vos options. Alors ça, c'est encore une fois, je vois la prévention, éviter, s'échapper, désamorcer, on en parlait. Encore une fois, référence à ma vidéo que j'ai fait aussi là-dessus, sur les, vos 5 options de, pour suite aux violences, affronter. Et après, en effet, hein, tu reparlais, hein, le fameux... temps des conséquences. Le temps des conséquences. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à encore avoir. C'est vrai que, sujet un peu compliqué, on a toujours ce... Beaucoup sont là, ouais, mais en France, on défend l'agresseur. En France, ce qui n'est pas forcément vrai, mais pas forcément faux. Enfin, je trouve que c'est... Alors, c'est une donnée qui est importante, voilà, à prendre en compte. Et c'est aussi un truc qu'on essaie de travailler en self, c'est le verbal. C'est-à-dire qu'il y a toute une phase de dialogue. Et ce dialogue va aussi conditionner les gens autour de toi. Ouais. Tu vois, je te donne un exemple concret. Le mec arrive et si tu lui hurles, écoute... je vais du Krav Maga dans 30 secondes, je vais t'éclater, tu vois. Imaginons que la petite dame, elle arrive au même moment, oui. Elle entend, je vais t'éclater, elle te voit lui mettre une droite de forain, tu vois, à travers le visage, elle le voit tomber. Elle va se dire, quel est l'agresseur, quelle est la victime. Elle arrive en cours de situation, oui. Et on va lui demander son avis parce qu'elle va être témoin de la scène. Et généralement, on considère que la victime, c'est celle qui a subi le plus de dégâts. Quand tu connais pas la situation, bah, le mec qui t'arrive, le mec qui est au sol, il est debout, celui qui est au sol, bah, c'est la victime. Si t'as pas le contexte, du coup, c'est compliqué, tu vas te démêler les choses. Tandis que si effectivement on t'entend dire, écoutez monsieur, je veux vraiment pas me battre, je suis désolé, si t'es mince, si t'as une attitude déjà qui suggère, tu vois, une forme de non-agressivité. Il y a d'apaisement, etc. Voilà, elle va arriver, bah, écoutez, j'ai vu l'autre parler hyper fort, lui il voulait vraiment pas se battre, il voulait proposer, il voulait s'en aller, effectivement il a dû intervenir. Ça fait aussi partie de la self que de justement savoir aussi le maîtriser, le message que t'envoies aux gens. Tu vois. Ouais. Pareil, tu portes un t-shirt avec une tête de mort avec marqué voilà, je vous désosse tous et compagnie. Mais si celui-là. Ouais, je pense, tu vois. Tu sais, j'aime bien les trucs comme ça, tu sais, genre si tu me touches, la première son est gratuite. Oui, ben, quoi, à quel moment tu portes existe, ça hein. Et ce t-shirt-là existe. Je fais une vidéo là-dessus sur l'homme gris, etc. Mais ce t-shirt-là existe. Ouais. Alors, voilà, ça, on dit non. On dit non. On dit c'est pas possible. Parce que dans certains milieux, dans certains lieux, dans certaines tranches, peut-être que quand vous êtes chez vous, avec votre famille, votre ami, ça peut paraître hyper smart. Ou quand tu es dans ton club de sport, oui. Tout le monde porte le même, c'est hyper smart. Maintenant, tu changes de lieu le soir, tu vas dans un bar de footballeur, tu portes la mauvaise couleur de t-shirt de foot, potentiellement, ta soirée peut devenir compliquée. Et là, c'est pareil, tu peux susciter forcément l'attrait. Tu croises, tu vois, des jeunes qui ont décidé, tu vois, d'un peu dans des coudes et qui cherchent quelqu'un. Potentiellement, tu présentes une sorte de défi, tu vois, un peu fun. Ouais. Tu peux susciter, tu crées du coup, et c'est un peu ce dont on parle dans les casques, tu vois, éviter par exemple. Tu peux toi-même créer le contexte, ouais. Tu vois, en fonction du coup du lieu. Donc, bien adapté, sa tenue, son pareil, tu vois, si tu veux fuir, mieux vaut avoir des baskets, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc, il y a la tenue. C'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte aussi, quoi. Donc non, la première leçon gratuite, ouais. Qui porte ça, quoi, ouais. Si vous portez ça, mettez-le dans les commentaires. On veut savoir. Non, mais c'est vrai que Mika et Luz, alors Mika, si tu vois la vidéo, on te salue. Hein, également. Hein. Mika en parlait très bien et j'ai bien aimé cette expression-là. C'était, il disait, c'est les agresseurs, pour eux, c'est comme un restaurant quand t'as faim, tu veux, t'as pas faim, tu vois pas les restaurants. C'est ça. Par contre, quand t'as faim, bon, comme tout à l'heure, tu dis ok, une pizzeria là, tiens, tu vas y aller. Ou un chinois, ou machin, etc. Et l'agresseur, c'est pareil, en fait. Si vous n'êtes pas typé victime, ou type pas. Enfin, c'est inaperçu, on pourra faire une vidéo sur l'homme gris, etc. Bah, il vous remarque même pas, en fait. Non, et puis, ce qui est important, c'est qu'il y a une étude américaine qui avait été faite sur. Ils avaient présenté donc au gratin de ce qui se fait de pire dans l'humanité. Les silhouettes. Ouais. Des personnes juste en train de marcher, hommes, femmes, photos noir et blanc, juste des gens qui marchaient. Et les mecs, à pratiquement 80%, avaient un taux de récurrence, arrivaient à déceler. Ils étaient tous d'accord sur le type de personnes qu'ils agresseraient. Et en plus, ils arrivaient à savoir lesquelles avaient déjà été victimes. C'est dingue. Donc les mecs avaient. Parce que il y a des professionnels partout. Et en matière de prédation, il y a des professionnels de la prédation aussi. Ouais. Et du coup, ce que les gens, ce qu'ils avaient tous identifié, c'est ta posture et c'est ta démarche. C'est la première image que tu envoies. Alors pour faire les clichés, effectivement, les personnes qui marchent, tu as les épaules rentrées, des démarches asymétriques, mauvaise coordination motrice. Bon, si tu boites, j'ai envie de dire, c'est encore mieux, tu vois, tu pourras fuir moins vite. Donc effectivement, ça dégageait en fait la confiance que les personnes avaient en elles. Et du coup, moins la personne est confiante, et si on reprend l'exemple du t-shirt, ça peut être aussi perçu comme un manque de confiance. Sachant que par exemple, tu ne te sens pas assez confiant dans tes capacités, donc tu te sens dans l'optique de porter un t-shirt qui dit « je pratique sec », tu vois ce que je veux dire, j'ai une pratique qui peut être hyper brutale. D'accord. Ça peut être pris comme un manque de confiance. En tout cas, mais si tu es suffisamment conscient de tes capacités, oui, tu n'as pas besoin d'écrire sur tous les toits.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. On en revient encore une fois à l'ordre social. Si tu as besoin de prouver à ton groupe que tu es l'alpha, c'est qu'au final, voilà, s'ils le savaient déjà, tu as besoin de leur crier sur tous les toits à chaque fois de leur montrer. Quoi. Ouais. Ok. Et du coup, tu vois, le dernier point sur la partie affrontée, parce que ce qu'il faut, voilà, c'était une des remarques que tu m'avais fait quand c'est le téléphone, tu me dis, mais il n'y a pas trop de photos quand même. Oui, alors c'est ça, c'est important. C'est important, alors, qu'on vous montre un peu le bouquin d'ailleurs, hein, le bouquin ressemble à ça, où je vais montrer un peu le sommaire. Alors, si, il y a des photos, on a quelques images ouais, avec, chaque, pour les titres, d'accord, les grands titres, tac. Tout ce qui est après en gras pour les petits les passages, passages importants. L'épisode de notation. Ah voilà, le taux de psychopathe. Ah voilà, ça vous intéresse. Le taux de psychopathe se situe entre 0,2 et 3,3% de la population. Ouais. Alors là, c'est vrai que vous allez sûrement croiser un dans la rue. Un jour. Mais quand on parle de psychopathe, par exemple sur les 3%, c'est pas des psychopathes comme on voit dans les films. Oui, c'est pas des bad lecteurs. C'est des personnes qui vont présenter des pathologies, donc le manque d'empathie. Qui vont être par exemple capables d'utiliser les autres pour obtenir ce que eux ils veulent, les considérer comme des ressources en ignorant totalement leurs sentiments. Oui, ça peut trouver des choses d'entreprise. Exactement, tu peux les avoir beaucoup dans ton milieu pro et compagnie, et ça effectivement c'est on va des psychopathes qui s'ignorent, mais c'est pas pour autant qu'ils passeront à l'acte comme on peut le voir dans le cliché des films. Ouais. C'est très très rare. Hein. Après, c'est une question de karma, mais on a très peu de chances de rencontrer quoi. Oui, enfin, du moins d'être confronté de manière violente à eux. Quoi. Dans, croisant la rue, tu peux. C'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Ouais. Mais ne s'entraîner que à. Si on rencontrait ce type de personnes, c'est s'entraîner sur une infime partie. De toute façon, tu seras dans tous les cas beaucoup plus confronté à la violence sociale que la violence prédatrice. Ça va dépendre aussi de dans quelle gamme tu es. Par exemple, si tu es un homme, il y a de fortes chances que la violence sociale te touche plus, par exemple, mais en tant que femme. Tu peux être confronté plutôt à une prédation. Ouais. Tu vois, une prédation sadique. Donc, agression sexuelle, tentative de viol. Ça, c'est quelque chose qui, statistiquement, risque, tu vois, de s'abattre. Comme le frotteur du métro, quoi. C'est, exactement. C'est une violence prédatrice, que le mec veut se faire, entre guillemets, discret, et voilà. Exactement. Donc, on n'est pas. Toutes les personnes ne sont pas confrontées à ce type d'usage. Et inversement, tu es un homme de 30 ans, maintenant que tu es un homme âgé, potentiellement, tu peux retomber aussi sous la coupe des prédateurs. D'accord, parce que c'est plus pour lui un carjacking par exemple, chose comme ça, parce qu'on juge qu'effectivement ça va être plus simple physiquement, tu vois, de s'en prendre à toi. Donc chaque personne peut être confrontée à différents types, pas forcément, et c'est toujours comme on dit, une question aussi de temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu pourras te confronter à tel type, plutôt après à celle-ci. De temps, de lieu, de tout ça. Le temps, c'est pas ton ami de toute façon. Ouais, même de temps, journée, je veux dire, côté, hein, entre. Tu te balades à Paris à 14h ou à 23h et ouais. Le lieu aussi. Ouais. Et pourtant, tu sais à quel statistiquement, quelle est l'heure la plus. J'ai lu. Je me suis dit, putain, bon. Et ouais, parce que. Alors, en fait, voilà, pour. On va un peu de teasing, effectivement. On a tendance à croire que la nuit, c'est un petit peu le moment où, effectivement, il y a le plus de crimes. Vous êtes bien, tu vois, à minuit, l'heure du crime. Une chanson à la base, un adage. Les quartiers chauds. Exactement. Et en fait, c'est 18h. Pour la journée et ça va être minuit et 2 ou 4 heures, et ce qui correspond en fait au moment aussi où les populations se regroupent le plus. C'est de là en fait où apparaît la violence, c'est quand il y a le plus de personnes qui se regroupent. Donc minuit par exemple pour les sorties de bar, attends pour les sorties de boîte, 18h, 19h pour les sorties de métro, RER et pour les sorties de boulot. Donc en fait c'est ça qui est important, on en revient au sujet de base, c'est que la violence elle est avant tout humaine, et donc du coup c'est au moment où les humains se regroupent que potentiellement le danger. T'es tout seul chez toi, la violence bon. Après, elle peut s'abattre sous une forme domestique, tu vois, mais effectivement, tu as moins de chances de rencontrer tu vois, quelqu'un. Sachant que, alors on dit ça, et regarde maintenant les choses évoluent, c'est plus totalement vrai. Tu peux être chez toi sur ton canapé, sur Internet, et te retrouver, et c'est ça qui est. C'est là où tu vois que l'humain s'adapte à tout et que la prédation se répand partout. En fait, sur Internet, maintenant, les schémas de prédation sont appliqués directement, tu vois, par exemple, pour. Tout ce qui va être agression sur enfant, où effectivement ils utilisent les mêmes jeux, le déplacement de lieu dont on parlait, un des rares indicateurs de prédation, sur internet par exemple, si tu as dit à ta fille, ton fils, bon bah t'as le droit à ce type de jeu, donc ce type de forum, et puis lui va en face, tu te rends compte que le gars avec qui discute, qui se fait passer pour un gamin de 12 ans, lui dit viens, tu connais WhatsApp, installe-le, c'est mieux, et donc on va isoler de sa communauté, isoler des parents, et on retrouve le même schéma qu'une prédation. Et voilà, c'était pour ça que ça s'appelle voilà, désamorcer la violence, dans le sens où on se rend compte que les pathologies, les patterns de violence se retrouvent un petit peu dans toutes les situations. Quoi. Okay. Donc après,
ce qui est vrai, on ne peut pas enseigner aux gens à défendre contre tout. Tu y auras toujours le cas de figure qui fait que tu l'as pas vu et compagnie. Mais voilà, leur donner une compréhension et que chacun, avec le style qu'il veut, avec l'expérience qu'il veut, puisse se l'approprier, tu vois. Ouais, comprendre pour mieux, comprendre pour mieux savoir comment agir. Exactement. Et surtout réagir. Ok. Je vous montre un peu le bouquin. Donc en effet, oui, c'est plutôt, on va dire, textuel. Justement, pourquoi tu as fait ce bouquin de manière alors, sans images Grande question. Ouais. Alors, c'est un vrai choix. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, même par exemple, j'ai choisi de travailler sous des formes d'icônes. Dans le sens où, je voulais vraiment m'adresser à tout le monde. Et je me suis rendu compte que quand tu ouvres un livre, tu prends juste une feuillette. Si tu vois que des photos, par exemple, si je m'étais pris moi avec un autre homme, on aurait eu tendance à dire que c'était un livre qui s'adresse aux hommes. Si j'avais mis deux femmes, on aurait pu juger ça comme un livre qui s'adresse aux femmes et non pas aux hommes. Ouais. Et puis là-dessus, il aurait fallu que je mette des jeunes, il aurait fallu que je mette des vieux, en fait, il aurait fallu que je mette tout le monde. Deuxio, donc c'était difficile parce que moi, je voulais vraiment m'adresser à tout type de population, je voulais m'adresser à chacun et non pas à m'adresser à une partie de la population. Je voulais que tu aies 70 ans, que tu aies 15 ans, que tu sois une femme, un homme, que tu pratiques du sport ou pas de sport, tu puisses le lire et te l'approprier. Donc je voulais pas commencer déjà à catégoriser, ouais. Donc par le biais d'illustration. Deuxièmement, les photos, ça vieillit. En fait, de l'époque des années 80. Voilà, dans les années 80, en noir et blanc, et tu dis est-ce que c'est d'actualité puis d'actualité. Je trouvais que la violence, c'est un sujet qui est intemporel. Et du coup, je trouvais que le texte, ça permettait aux gens de se projeter, d'imaginer, et je le mets dès le début, de rapporter ça à leur propre expérience. Voilà, je commence le livre en disant moi, mon expérience, elle ne vaut que pour moi. Elle n'écrase pas la vôtre, elle n'est pas mieux que vous, elle n'est pas mieux que quiconque. Et vous avez sûrement que les personnes qui le liront, qui regarderont cette vidéo, auront vécu des choses que moi j'aurais pas vécues et inversement. Et ça ne veut pas pour autant dire que d'autres surclassent d'autres. Non, donc sûr. Ça permettait voilà, à chacun de se projeter, d'imaginer et de le rapporter tu vois, à sa propre vie. D'accord. Donc voilà pourquoi les icônes et non, il n'y a pas de photo. Ok. Et je voulais on commence à terminer trop progressivement, mais manuel de défense, elle a eu l'usage des anti-héros. Alors, c'est quoi un anti-héros là-dessus? Alors, l'anti-héros, c'est. Donc, il y a plusieurs définitions. La partie vraiment qui m'intéressait, c'était une personne normale qui va être plongée dans une situation exceptionnelle et qui va devoir donc utiliser des capacités alors, extraordinaires dans le sens qui sortent de son ordinaire. D'accord. Et c'était ça, en fait, qui m'intéressait. En plus, dans une époque où tout le monde, tu vois, joue au super-héros. Et moi j'en suis très très loin, je trouvais ça intéressant de comprendre que des situations voilà, qui peuvent être ultra, enfin, même sur lesquelles on ne pense pas avoir les armes, on peut arriver à produire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ouais, d'accord. Ok. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ce fameux bouquin désormais? Alors, bah écoute, avec mon plus grand plaisir dans pas mal d'endroits, donc ça peut être aussi bien Cultura, la Fnac, d'accord, distribution, super. Que les petites librairies aussi, okay. Librairies petites et grandes, et puis sur Internet après, grandes plateformes qu'on connaît. Voilà, donc là-dessus, il est plutôt. Il est plutôt facilement trouvable. Donc de chez Solar Edition pour un prix de, alors c'est marqué dessus, 19,90€. Donc franchement un bon condensé, on a 200 pages, hein, 200 pages avec une bonne biographie. Après là, si vous voulez aller plus loin, bah, Rory Miller, on en parlait, hein, Neurocombat, Christophe si tu vois la vidéo, encore une fois, il y a quand même pas mal de bouquins qu'il va falloir que je me procure également derrière. Avec Christophe Jacquemart, on en parlait. Neurocombat 1 et 2, on attend le numéro 3 avec. Oui, qui devrait a priori. Guillaume Morel, hein, qui reste incontournable. Protégore. C'est un des grands classiques et puis des œuvres voilà, incontournables dans la salle défense. Ok, alors exceptionnellement pour cette vidéo, Benjamin m'a fait cadeau d'un autre bouquin. Donc cet exemplaire-ci, vous allez pouvoir le gagner. Pour ça, très simple, petit jeu concours. Simplement déjà, vous abonner à la chaîne Krav Maga Traveling, liker la vidéo, mettre un commentaire dans la vidéo hein, pour dire que vous participez au jeu concours et partager la vidéo sur vos réseaux en taguant la chaîne Krav Maga Traveling et deux de vos amis. Voilà. Après, il y aura un tirage au sort et l'un d'entre vous sera sélectionné et je lui enverrai ce fameux bouquin. Donc je répète, Désarmer la violence, manuel de défense à l'usage des anti-héros, chez Solar Édition.
pas mal. Eh ben écoute. Bon bah écoute, allez, nous on va aller se boire une petite bière tranquillement. Sur ce, je vous laisse pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, salut.